Et salut à toutes et à tous, c'est Soissons. Aujourd'hui on se retrouve sur WWE 2K16 à NXT TakeOver Brooklyn, deuxième du nom. Pour le match, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano versus The Revival. Donc un match pour le titre de par équipe. Une feud qui dure depuis quand même pas mal de temps entre les deux. Ouais, les Revival, honnêtement, c'est plus des tricheurs que des catcheurs, honnêtement. On a pu le voir hein, face au American Alpha quand ils ont gagné le titre, après ils l'ont perdu direct après. Bon. J'espère que Gargano et Ciampa pourront prendre le titre par équipe pour donner un peu comment dire, du jus à cette division. Bon, on verra de toute façon. Alors je suis désolé du son du jeu qui peut être très mauvais, je sais pas comment ça se fait. Bref. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un... Comment dire? C'est un... une rivalité. Oula, j'ai du mal à parler, je suis un peu fatigué. J'ai du mal à parler. Oulala. Bon. Donc oui, c'est une rivalité qui dure depuis beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps. Allez, NXT, c'est vrai que beaucoup de temps, on peut croire que c'est que c'est vraiment beaucoup, 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 parce qu'il n'y a pas de entre deux grands shows, entre deux takeovers, il y a longtemps. Et là, justement, il y a longtemps entre les deux. Du coup, comme je vous l'ai dit, un match pour le titre par équipe, je vais vous le commenter comme ça au moins. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'était plus de la parole qu'autre chose entre les deux. Donc, allez, non, il n'y a pas de tag. Belle clothesline. Allez hop, on fait bien tomber. Scott Dawson. Le gros kick dans sa face. On fait un peu de momentum là. La clothesline. On le relève. Et le slam contré. Neckbreaker enchaîné. Good Lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. Tag team championship at stake. Which team? Oui, il a donc tagué un, on a pu le voir. J'ai débloqué mon spécial, reste à savoir qu'est-ce que c'est. Un super kick, un high cross. Allez! Le high cross réussi! C'est parti pour le finisher contré. Ouais, c'est contré le finisher. Le tomber. Seulement deux. Allez. Il a son finisher, il est en train de le charger. Ah,
Et le Cobb Breaker par le coéquipier de Scott Dawson, je me souviens plus son nom. Hey, il me met dans le coin. Le magnifique DDT. Je tag pour Tomasco Ciampa. Alors, je tape l'arbitre en même temps, mais bon, c'est pas fait exprès. De tomber seulement un, se tomber. Remember, momentum in WWE can trois coups. Turn on a dime and leave you some change. Thinking to avoid that. He gets the tag. Le tag en face. He's got him hooked. Oh, out of nowhere. C'est contré. Je le ramène au milieu du ring. Je fais bien mal à sa jambe. C'est contré, le surpassement pour tuer les épaules. Mais je compte direct après. Je fais bien mal à sa tête. Allez, je le relève. Et c'est parti. C'est parti. Le spécial suivi d'un tombé. 1, 2. Et c'est le tombé interrompu. Tu sais que mon coéquipier se charge de Dash Wilder. Voilà. J'ai son nom enfin. Et c'est contré. C'est contré. Neckbreaker. Non, c'est pas vraiment un neckbreaker, mais bon. Je crois y avoir contré, mais non. Allez. Le tombé. Et 0-0. Là aussi, c'est contré. Allez, c'est parti. Powerbomb. Enchaîné des deux genoux. Par Ciampa, le tombé. 1. 2 et derrière, c'est Dash Wilder qui a empêché la victoire. On retente de tomber. 1, 2 et le dégagement. Allez, on le relève. Oh, il saigne là. Scott Dawson. Le tombé. 1, 2, et derrière ça, on vient casser le tombé. Oh, le gros kick. On relève. Faut le relever. Et le tombé. 1, 2, et le cassage de tombé encore une fois. Le big boot. Et encore une fois le roll-up. 1, 2, 3. Victoire de Gargano et de Ciampa. Nouveau vainqueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à regarder les autres playlists et à commenter si vous avez aimé. Allez, ciao tout le monde.